Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 sur la ferme des TAT et aujourd'hui on va s'occuper des pop-pommes et vous allez voir c'est un peu plus technique que le reste. Notre ami Teshan et notre ami Chris ont préparé des cagettes exprès. Alors celle-là elle n'est pas pleine, mais enfin bref, ils ont préparé des cagettes, les deux petits vicieux là, ils l'ont fait exprès, hein. Je sais très bien que Papitation l'a fait exprès. Donc du coup pour s'occuper des pommes ça va être simple, nous on a ramené un tas de compost ici et on a fait venir un Kramer, alors je vais mettre en route et on est parti mon kiki. Et du coup j'ai écrit sur le test, j'ai oublié de dire, j'avais lancé la vidéo, tant pis c'est pas grave, il s'en apercevra s'il cause. Et du coup, hop, donc en fait il va falloir venir avec le compost ici, il faut 100 kg de compost par pommier et ensuite il va nous falloir de l'eau, donc on va pas tout faire hein, parce que sinon demain on y est encore. Et je pense que la partie qui intéresse le plus Sean et Chris ça va être de devoir charger les pommes. J'espère que le serveur va pas trop laguer, on a quelques coups de lag de temps en temps mais sinon en général ça se passe plutôt bien. Donc voilà, il suffit tout simplement de s'approcher des pommiers, de faire ceci, hop. Voilà, et du coup, alors je crois qu'avec le Kramer, il vous faut un godet et demi pour faire tout le tour des pommes. Donc je sais pas si on va le faire en entier, hein, je vais en faire une ligne là. Et ensuite, on va mettre de l'eau et pour finir, on mettra les cagettes sur la remorque. Alors il n'y a personne qui aime le faire ça. Si, il y a peut-être Chris qui s'y met un petit peu, j'ai vu qu'il avait empilé les... Il est content avec ses conneries. J'ai vu qu'il avait empilé les cagettes dans le pré. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je le mettrais responsable des pommes si une fois il veut. Alors il nous a fait des marches, con. C'est pas possible. Il faut pas grand chose pour occuper Chris. Et du coup voilà, ouais, Chris nous a rejoint sur le serveur. Donc ce coup là on est 5. Faut que je vois avec Maqué et Erwan. Donc Maqué pour l'instant il a pas mal de boulot, donc c'est compliqué pour lui. Et Erwan aussi puisqu'il est... Il est dans son boulot, et puis du coup, bah, pour l'instant, on va rester à 5, mais je pense qu'ils viendront nous rejoindre plus tard. Voilà, je sais ce que je pensais, il y a Chris, il sait pas qu'on est en vidéo, et du coup, ça fait un peu de bruit derrière, mais c'est pas très grave. Hop. Où j'ai coupé, parce qu'il doit pas le savoir, et au final, quand il va le savoir, je vais pas m'engueuler, mais c'est pas grave. Hop. Allez, roule brique. Donc du coup voilà, hein, c'est très simple, alors il y a 4 rangées de pommiers, ça prend pas très longtemps, hein. Vous faites ça en 5 minutes, puis encore, gentil, si vous avez l'habitude de manier le Kramer, ou alors si vous avez un tracteur qui est quand même beaucoup plus nerveux que le Kramer, il faut pas très longtemps pour faire ça. Après le Kramer, le temps de reculer, comme on est en pente, voilà, comme là on est en pente, le temps qu'il redémarre, il va y falloir du temps, mais je vais pas y arriver aujourd'hui, mais sinon... Il n'y en a pas pour très longtemps à faire ça. C'est très rapide. Hop. Donc du coup voilà, on va faire les deux rangées là. Je vais pas vider tout le godet. Hein. Je ferai ça offline après. Et on va passer à la flotte. Franchement c'est super simple. Alors jusque là c'est super simple puisqu'il faut juste mettre le compost. Pardon pour la vue dégueulasse. Il faut juste mettre le compost et la flotte. Après, ça va être la partie, on va dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu plus technique. Alors, ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à empiler les caisses sur les petites remorques que vous voyez, là, les petits plateaux, vous pouvez très bien mettre, je sais pas moi, mettre un mode remorque, vous jetez ça dans la remorque comme un dégueulasse et vous emmenez ça. Donc, du coup, pour le vendre, c'est au Mosteri qui est tout au-dessus. Je vous laisse 2 secondes, histoire que vous repériez le point de vente et du coup ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à empiler ils peuvent faire comme ça. Avec Juju, moi je sais que j'ai acheté une charrette exprès, elle a plus qu'acheter ça là dedans et puis c'est fini, mais sinon voilà c'est un peu plus technique d'empiler. Du coup je vais recacher ça et je vais mettre de l'eau, mais malheureusement je crois que j'ai que le Zetor ici, ça c'est moche, je vais sangler ça. Ah parce que c'était déjà sanglé, d'accord, hop. Voilà, et du coup je vais décrocher vite fait. Je vais laisser celle de devant, ça fera contrepoids avec la tonne, mais ça va être juste hein, parce que le Zetor il fait pas beaucoup de puissance. Hop. Donc ici vous avez un réservoir à flotte. C'est un réservoir à flotte classique. Mais alors nous, comme j'ai dit la dernière fois, pour faire on va dire un peu plus réaliste, on est parti chercher l'eau au water treatment et on met ça dans la réserve d'eau qui est ici. Et du coup, alors c'est pas que ça fait plus réaliste, c'est juste que comme on paye pas l'eau au tuyau d'arrosage, je me suis dit bon c'est un peu dommage quand même, on peut faire comme si on l'a payé, et comme au water traitement on amène le... Merde, comment ça s'appelle les pompes à merde des gens, comment ça s'appelle, les fosses septiques, voilà. Et, comme on ramène les déchets des fosses septiques en fait, du coup on a la flotte gratuitement, donc j'ai trouvé que c'était plus réel de faire comme ça. Donc en fait pour la flotte aux pommes, il suffit tout simplement de venir vers les pommiers, hop, vous faites ça, et on voyait les pommes qui apparaissent au fur et à mesure, hein. Et du coup ça c'est pareil, c'est très très rapide, il faut pas longtemps, hein. Faut se mettre à peu près là, faut pas rester sur le chemin parce que je crois qu'on est un petit peu trop éloigné. D'ailleurs là, je sais pas si elle a pris. Non, il a pas pris, donc j'étais un peu trop éloigné, voilà, hein, c'est ce que je viens de dire tout de suite. Je vais relever le machin de devant parce que sinon, je vais accrocher les cagettes qui sont déjà présentes. Donc voilà, faut vraiment s'approcher, hop, faire gaffe aux cagettes, pas saloper tout le travail des autres. Et du coup, voilà, il vous suffit de faire ça tout simplement. Alors, j'ai à peu près les chiffres en tête, donc là on a partie normale, hein, comme je l'avais déjà dit, et j'ai à peu près les chiffres en tête pour les pommiers. Quand vous récoltez une cassette par pommier et que vous allez vendre, une seule, hein, pas le tas qu'ils m'ont fait, une seule cassette par pommier et que vous allez vendre, je crois qu'on arrive à une quarantaine de petites cassettes, et quand on arrive au point de vente, donc en prix normal, ça nous fait 16 000 € de gain, alors que ça nous a coûté, la flotte vu qu'on la paye pas, ça nous a rien coûté, et le compost nous a rien coûté non plus, puisque j'ai récupéré le tas de fumier, vous savez, dans l'épisode 1, entre le champ 8, oula, je vais passer par là, entre le champ 8 et puis la raffinerie, donc du coup ça nous a rien coûté, et Teshan avait fini de s'en occuper, parce que quand j'upload les vidéos, moi je ne peux pas jouer sur le serveur, donc Teshan a terminé le tas de fumier, et du coup le compost nous a rien coûté non plus, et ça nous fait quand même 16 000 € pour, alors je crois que ça doit être une quarantaine de caissettes, un truc dans ce genre là. Et alors quand on approvisionne les pommiers comme ça, on va faire 4 caissettes avec toutes les réserves qu'on a mis avant de devoir remettre du compost et de la flotte, tout simplement. Donc ça fait quand même pas mal de sous, tout ça pour un moindre coût. Donc là je suis un peu trop loin, hop. Et du coup voilà, j'en profite pour vous demander aussi, alors pour ceux qui jouent sur la map et ceux qui ont essayé de faire des porcelets, je voudrais savoir comment vous avez fait, parce que nous on n'y arrive pas. On a été regarder un petit peu sur le forum essayer de se renseigner un petit peu, et finalement les porcelets on n'arrive pas à les faire, et si quelqu'un sait, ça serait cool de nous le dire, ça m'arrangerait, parce que franchement j'ai aucune idée de comment on les fait. Donc on va passer à la partie la plus intéressante pour les autres, parce que pour moi c'est pas forcément la plus intéressante, ça va être d'empiler les pommes. Ça fait ça à chaque fois, j'ai la vue qui revient sur le tracteur, c'est assez chiant, hop. Donc il y a des techniques bien particulières pour empiler les pommes. Alors je dis pas que c'est la meilleure technique au monde, hein, très loin de là. Moi j'ai ma propre technique, parfois je me loupe, hein, ça arrive. Mais en général j'ai ma propre technique. Hop. Donc quel empilage il nous a fait notre ami Chris. Je vais désangler et je vais remettre. Alors tant que je m'y remette d'ailleurs, hop. D'autant plus que sur serveur c'est chiant. Alors pourquoi je peux pas le décoller? Chris il les a soudés ou... Je sais que ce merdier... Ah oui, j'ai compris. Hop, et hop, voilà, je me disais aussi qu'il y avait un problème parce que je peux pas décoller la cassette. Donc voilà, celle-là elle est bien. Celle-là, on va la prendre. C'est parti. Je sais qu'il y en a qui vont être contents, parce qu'il y en a qui attendaient que ça dans la team. Hop, il suffit de faire ça, vous montez une première fois. Ensuite, il faut y aller tranquillement, hein, faut pas s'énerver parce que sinon jamais vous allez y arriver. Et vous allez faire... surtout si ça lag comme ça, et vous allez faire on va dire la même remorque que Vito, c'est à dire que vous allez empiler 5-6 cassettes à peu près proprement, et ensuite quand vous vous loupez et vous commencez à faire du caca, vous empilez ça comme un dégueulasse, vous allez sangler puis vous allez vous barrer. Donc faut prendre son temps, hop, voilà, et ensuite hop, ça c'est fait. Et alors franchement c'est un truc, au bout d'un moment je pense qu'il peut saouler, hein, d'empiler des pommes. mais moi personnellement ça me dérange pas, et comme on a dit qu'on allait mettre des responsables de pommes, ça va peut-être être pour moi, très certainement, ou alors pour Chris, ou je sais pas, ça dépend d'Erwan. Je sais qu'Erwan il aime bien faire de la manutention, donc on verra. Moi en tout cas, pour l'instant dans ceux qui jouaient avant que Chris vienne sur la partie, j'étais, on va dire, le seul à qui ça dérangeait pas. Ah là, je vais louper mon coup. Hop. Et ça serait bien que j'y arrive. Ah voilà, c'est vraiment un truc minutieux. Donc, vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas ça. Je vais pas en faire 50 à des épisodes comme ça. C'est juste histoire de vous montrer. Moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout de le faire. Faut juste prendre son temps. Et pourtant... je pense que je suis l'un des plus nerveux de la team et celui qui s'énerve le plus vite. Il y a de fortes chances et... Ah tiens, Teshan il vient nous surveiller, le gros salopard. Hop, il peut venir surveiller les travaux finis, hein, ça me dérange pas, vas-y. Hein. Vas-y. Non, ça va aller vite. Il n'y a pas de problème. Donc, alors là, c'est là... En fait, c'est quand on fait des mouvements de gauche à droite qu'on est le plus imprécis et qu'on fait du... merdier, hop. Donc on a 11 minutes de vidéo, donc ça va, ça passe. Et alors j'ai essayé de tout mettre sur une... Quand on charge qu'une fois, quand on a une cassette par pommier, j'essaie de la mettre à peu près correctement. Quand on a une cassette par pommier et qu'on les ramasse toutes, on peut tout mettre sur une plateforme, mais c'est vrai que plus on en met haut en fait, et plus c'est compliqué, parce que plus on en met haut, plus on va faire ça, et en fait à chaque fois la caisse elle sera jamais... Voilà, elle sera jamais plate, et au final, bah là, elle est retombée. Voilà, alors elle va finir comme ça. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire pro, faire du RP, etc., pour ceux qui voudraient la retourner facilement, vous faites ça. Et là, bon, là, c'est raté. Mauvais exemple, salopard. Voilà, et vous faites ça, et ça se remet à peu près propre tout seul. Hop. Et du coup, il y a juste à faire... Ah, c'est du travail de précision, hein. C'est vrai que c'est très calme de faire ça, faut pas être un énervé. Hop. Et du coup voilà, c'est déjà pas trop mal, et on va continuer. Hop. Ah, je sais pas si on aura le temps d'aller vendre, mais je pense pas, parce que vu qu'il y en a énormément, je pense que j'en ai pour mon après-midi, encore pour ma soirée, parce que là ils ont pas déconné les gars. Mais je pense que ça clora le bec à Victor qui se foutait de ma gueule hier avec les pommes. Elle disait, ouais, tu vas en chier, et finalement, il faut s'angler au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Hop, mettre comme ça, à peu près droit. En plus, sur serveur, c'est un peu plus compliqué parce que... Alors, attendez, voilà. Sur serveur, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas l'impression que ça répond directement les mouvements. En fait, quand on bouge, j'ai l'impression que la caisse, elle suit, mais largement après. Regardez, je vais vous montrer quand on recule, voilà. Le temps que... Voilà, le temps qu'elle... comprennent qu'il faut bouger et qu'elles répondent, et ben c'est bien souvent qu'on les lâche. Hop, voilà, et du coup voilà, ça va tout seul, hein. C'est aise, et hop, tout simplement. Du coup ben, je vais être obligé quand même d'en faire plusieurs, c'est une obligation, parce que vu le nombre de caisses qui m'ont empilé sur le côté, hop, ça va être très long, mais enfin bref, c'est pas très grave. Et du coup voilà, comme je l'aurais dit, si ça vous embête qu'on les empile, je vais vous montrer quand même pour la vidéo, parce que l'équipe à ma rue a quand même fait du beau boulot en faisant ces petites plateformes là, hein. Franchement elles sont bien réalisées. Après je pense pas que ça doit être, enfin quand on est modeur habitué, je pense que ça doit pas être très compliqué à faire, ils doivent avoir l'habitude, mais c'est vrai que faut quand même un petit peu de technique pour faire ce genre de mode, et au moins pour vous montrer qu'avec la remorque c'est pas si compliqué que ça. Mais après si ça les embête trop, c'est comme j'aurais dit, hein, on se trouve une remorque. J'ai mis le... J'ai encore pas le temps de le mettre justement, mais je vais mettre une caisse 3 points que Thor adore jouer avec, et du coup à la limite s'ils veulent l'utiliser, je les laisserai l'utiliser en jetant ça n'importe comment dedans s'ils veulent, mais... Après, je vais pas toujours faire les pommes toute la journée non plus, donc... Hop, raté. Ah bah, nickel, elle s'est remis droite. Et du coup, voilà, hein, c'est vraiment un travail de patience. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude de me voir être patient à ce point-là, puisque d'habitude, je n'ai aucune patience. Je sais plus comment je fais d'habitude pour les retourner, là. Tu veux pas y aller, non? Non, non, ça fait rien. Bon, je vais reculer. Bah, je vais être obligé de faire autrement. Ah, elle a pas décidé. Raté. Le follow. Ah, il y a quelqu'un qui utilise le follow sur la partie. Et du coup, là, c'est là qu'ils vont être contents parce que j'ai foiré ma kékesse et je la refoire. Et voilà, ça va être là que ça va être un peu plus compliqué. Donc je vais faire autrement. Il y a une autre technique, vous allez voir. Alors, je vais essayer de la remettre droite déjà, ce serait déjà pas si mal. Et du coup, c'est contrôle, hop. Si elle a décidé de bouger, non, elle a pas décidé de bouger, je sais pas mis comme je voulais. Mais en tout cas, sur partie solo, en fait, vous faites contrôle. Putain, je vais pas y arriver, salope. Pardon. Vous faites contrôle en fait, et quand vous vous baissez, vous allez l'empoigner. Et en fait, quand vous allez la lever, elle va être beaucoup moins en travers que ça. Bon, je vais pas y arriver avec cette caisse là. Elle m'enquiquinouille un peu. Pas comme ça, j'ai dit Maurice. Ah, on s'amuse, hein. Voilà, ça y est. Ah, tu vas réussir à te remettre comme ça. Du coup, je l'ai repris debout. C'est pas grave. Je vais y arriver. Ça peut me prendre l'après-midi. Hein. Je vais y arriver, voilà. Hop. Je vais y arriver. Je suis arrivé à la remettre par terre, la deuxième. Et hop, voilà. Bon, déjà celle-là. Ensuite, celle-là, elle n'est pas pleine. Et c'est celle-ci que j'avais. Je vais essayer de la remettre sans faire le con. Et j'espère en tout cas que ça vous ennuiera pas trop, que je fasse des pop-pommes dans cet épisode-là. C'était histoire de vous montrer un petit peu comment ça va se passer, les pommes. Hop. Bon, alors tu descends, oui. Pourquoi faire? Hop, et du coup, je vais prendre celle-ci. Ouais, elle est finie. Je vais prendre celle-ci, je vais pouvoir ressembler derrière. Et voilà, c'est vraiment minutieux. Hein. Faut vraiment avoir de la patience qui n'est pas mon fort d'habitude. Donc voilà, elle est belle ma petite remorque. J'ai pas fini, mais elle est quand même plutôt jolie pour l'instant. Et du coup, je vais peut-être continuer un petit peu après et je vous mettrai un screen. J'ai pas pu rechoper le screen encore de Vito qui a fait son empilage à la con là. Je sais que Teshan il me l'a dit, mais il avait fait un espèce de chargement dégueulasse, Victor. Et du coup, il faudrait que je chope le screen pour vous le montrer, mais j'ai pas le temps encore. Mais je m'en occuperai, donc je vais poser celle-là et puis après, je vais peut-être mettre la troisième avant d'avancer le tracteur. Et du coup, on va bientôt s'arrêter. On va bientôt s'arrêter, comme on dit. Hop. Regarde, parce que quand ça touche les parois, en général, la caisse, elle se... Voilà, c'est bien ce que je pensais. La caisse, elle se décroche toute seule, elle a tendance à faire du caca. Voilà, je l'avais dit. Hein. Bon, tu vas me laisser la poser correctement, oui. Ah, raté. Oh, il y a des fois, les caisses, elles vont toutes seules, mais alors il y a des fois... C'est bon, elle est bien lâchée. Non, on va faire ça parce que Teshan va m'engueuler après. Bon, commence à me casser les bonbons, ça va vraiment toi. Hop. Ah, c'est vrai que ça fait moins de bruit qu'avec le tracteur et les bottes d'habitude. Hein. C'est du petit matériel ça. Tu veux pas te mettre comme je veux, non? Alors que je m'énerve. Hein. Comment je vais la mettre cacahuète là, presque. Hop, mettre comme ça et voilà. Et boum, et du coup je vais ramasser le tagazu. Ah, celle de derrière elle est bien quoi. Pas si loin. Et hop, du coup je vais redésangler ces deux là. Et je sais pas, ah, ça c'était Shanka empilé, parce que c'est très mal empilé sur le côté. Et celle qui était bien empilée, ça c'est Chris ça. Ça c'est Chris qui s'en occupait de ça. Et c'est vrai qu'il était parti pour tout rempiler hier et j'ai dit non non, te prends pas la tête, t'es ouf toi. Pas la peine d'empiler ça comme si on allait faire un château fort avec. Hop. Ouais, ça va vite quand même. Il faut prendre le coup de main en fait. Il faut pas oublier de sangler à chaque fois que vous mettez vos trois caisses. Et du coup, ça va relativement tout seul. C'est vrai que quand j'ai testé le premier coup, j'ai pas pensé à sangler les trois premières caisses. Et du coup, à chaque fois que je faisais un mouvement de trop, et ben rip. Rip, rip. Hop. Et voilà. Et du coup, on va bientôt s'arrêter là. Hop. Elle monte. encore un petit peu et hop. Voilà, donc du coup voilà, c'est relativement facile pour le début, après ça devient un peu plus compliqué parce que comme je vous ai dit, plus ça monte et puis plus les caisses elles vont arriver au-dessus à moitié couchées. Et du coup à ce moment-là, il faudra essayer de les jeter sans faire clic droit, parce que si vous faites clic droit, regardez, si vous faites clic droit, ça va faire ça. Et du coup ça part deux fois trop loin. C'est pas grave, je vais la récupérer, hein, mais ça part deux fois trop loin. Et après, pour les remettre remettre à la bonne place, on va dire, du bon côté, c'est pas toujours évident. Donc moi je me sers toujours du point de la remorque. Voilà, en général ça fonctionne pas trop mal. Hop. Et hop, et il y a juste à faire un petit coup ça, et c'est bon. Et hop. Et voilà, pour le premier étage déjà. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que les pommes c'est long, hein, comme je l'ai dit, mais c'est tout un travail de minutie. Surtout sur farming, parce que franchement le fait qu'on puisse porter à la main, alors déjà sur partie solo c'est déjà parfois compliqué, mais sur serveur, comme tout ce que vous empoignez a tendance à avoir du retard quand vous avancez ou quand vous bougez, peu importe, du coup c'est pas forcément toujours évident. Hop. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos critiques dans les commentaires, n'importe quoi, tout ce que vous avez à dire. De toute façon, ça fait toujours avancer la chaîne. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi si vous regardez la vidéo l'après-midi, et une très bonne soirée si vous la regardez en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!